Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'ouverture de la chaîne Box du mois de janvier, la première de l'année, donc voilà. Je me demande bien ce qu'il va y avoir dedans, puisque ben les fêtes sont passées. Du coup, qu'est-ce qu'on va avoir pour le mois de janvier? Des petits flocons? Est-ce qu'il commence à neiger un peu partout? On va voir tout ça, mais en attendant, si vous voulez la commander, bah, c'est sur chaînebox.fr. Voilà, sur chaînebox.fr, tu t'abonnes et tous les mois, tu reçois une boîte avec des produits mystères. Bon, on s'ouvre ça. Bien, alors on voit cette chaîne Box, c'est parti. Oh putain, alors ça commence super bien. Et je commence aussi super bien avec un gros mot. Mais on commence avec un superbe marque-page. Un marque-page, ma foi, magnifique. Alors bon, j'aime bien parce qu'ils ont mis l'étiquette marque-page pour qu'on puisse savoir que c'est un marque-page. Par contre, on voit pas bien de qui c'est. Ah si. Alors, Banashi, je crois que c'est Banashi, si je lis bien. En tout cas, voilà, un petit marque-page qui est vachement sympa avec ce objet du Millennium, Yugi. Je valide. C'est un oui. C'est un oui. On fait toujours attention au petit puzzle du Millennium. La fois c'était l'œil, et là c'est un puzzle. Allez. Ouh, ma foi, on a pas mal de trucs. Oh putain. Oh oui. Cactus tatoué, ok. Alors j'ai un... Hey, je suis Lola, la créatrice de cette petite magicienne et de cactus tatoué. Si tu veux soutenir mon travail et découvrir mon univers geek, rendez-vous sur Instagram. Alors, je crois que j'ai déjà été voir son Instagram, mais du coup, n'hésitez pas. Lola cactus tatoué, hein, voilà. Et comme vous pouvez le voir, c'est un magnifique pins de la magicienne des ténèbres. Et j'adore les pins. Donc voilà, je ne collectionne pas les pins. Oh putain, je ne collectionne pas les pins, mais j'adore. Et nous avons un magnifique jeton Kaiba en édition limitée. Ah oh, putain, mais... Voilà, moi c'est le genre de produit que je garde scellé. Du coup, c'est cool pour la collection, mais ça me fait chier de pas pouvoir l'utiliser, de l'ouvrir, et c'est comme ça, c'est comme ça. Mais déjà, on est à trois produits où je dis oui, hein, le marque-page, le pins, et ben, le jeton. Nous avons quoi d'autre? Ouh, des magnifiques sleeves. Alors ça, c'est génial, parce que ça, c'est pour les extradés, pour moi, ou pour du plus, donc c'est leur cool. Attends, on n'a pas un, on a deux boosters, bataille de légende. On va s'ouvrir ça juste après. On va terminer par... Qu'est-ce que... Oh, une deck case. Oh putain, oui. Alors là, Sharon, je te dis... Oh oui. Alors si c'est bien ce que je pense... Et oui, c'est ça, c'est avec un compartiment en dessous. Oh là là. Donc ouais, sur le schéma, on voit qu'on peut mettre du coup des accessoires comme les dés et autres. C'est une grosse boîte. Hold up to sense, double sleeve card. Putain, c'est génial. Ouais, voilà, c'est génial. C'est génial. Que des bons produits dans cette chaîne Box. Donc, il n'y a pas un seul mouet, il n'y a pas un seul ouais, pourquoi pas, un seul. Là, c'est que du oui. Donc, quand c'est que du oui, ben je vous dis, beau chaîne boss. Ensuite, on va se du coup les petits boosters. On regarde tout ce qu'on a eu, regardez-moi ça. Eh, c'est pas joli tout ça. C'est pas magnifique. Malheureusement, je ne peux pas l'utiliser comme, comme miniature. Parce que. ça se brouille. Voilà. Mais il n'empêche que c'est tout beau. Que je suis hyper content. Du coup, je vais même le pins, je vais le garder bah, sous scellé comme ça parce que c'est un super travail que fait Lola Cactus. Donc n'hésitez pas à aller checker son instant. Et nous, si vous voulez du coup les boosters, bataille de légende. En espérant qu'on va avoir du bon, du très très bon et pas du très très nul. Et on commence avec du moyen. La pleine lune d'or que j'ai, je ne sais combien d'exemplaires. Allez, la petite mise au point, voilà. Allez, ok, donc voilà. Donc alors, on a la belle pleine lune d'or. Ensuite, nous avons Trinity Hérovision. Ah, ça fait du rond en plus, c'est pas négligeable. Herman Héros élémentaire, ça c'est cool aussi. Guêpe de bataille, Hallebarde la charge. Mm-hmm. Et Pharis Hérovision. Nice. Alors, je ne sais pas si je serai dans le cadre encore de... De la caméra, et dans tous les cas, on s'en fout, on n'est pas pour ma tronche, mais pour voir les cartes qu'on a. Allô, guêpe de bataille, du coup, Sting le poison. Alors, je ne connais pas du tout l'archétype du guêpe de bataille, je n'ai jamais affronté, j'ai jamais joué avec, mais je connais un petit peu. Alors, apparition. Ok. Faux artefact. Ah, génial. Alors, un artefact, j'avais pas la faux, donc ça, c'est parfait. Squelette métallique, ta gueule. C'est ça, parce que les TG, enfin, voilà. Alors, si vous savez ce que veut dire TG, n'hésitez pas, vous me le dites dans les commentaires, parce que je jamais su ce que ça voulait dire, TG. Et, oh, Hyperion, ah, putain, c'est... Ouais, elle est toute belle, elle est toute belle, elle est toute belle. Alors, ça, non, c'est vrai que... Alors, je ne connaissais pas du tout Hyperion.
Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Moi, je suis content de ce qui est dans cette chaîne box. Je l'avoue, je suis content. Je le dis souvent, mais je suis quand même content. De toute façon, je continuerai pas à les acheter si ça me plaisait pas. Et ça me plaît. Donc voilà, foncez. N'oubliez pas de vous abonner, lâchez le pouce bleu et petit pointy. Allez, salut à tous.